Alors, je continue mes petites ouvertures de courrier. Donc là, j'ai trois belles enveloppes, hein, encore une fois. Je suis super contente. Et notamment d'une petite jeune fille, la petite fille de Mireille, qui s'appelle Léane, qui vient tout droit de Belgique. Donc, je suis super contente, Léane, que tu m'envoies un petit courrier et que tu participes à mon petit concours. Franchement, ça me fait vraiment, mais sincèrement, super plaisir. Étant donné qu'il y a la fille également de Cécile qui participe à mon concours. Vous êtes deux petites jeunes filles. Je suis super contente. Donc, on va découvrir ce que tu m'as fait de joli. J'ai également une très belle enveloppe magnifiquement décorée avec des cœurs de Malika. Merci ma petite Malika qui a donc une chaîne, hein, les Créa Loisirs de Malika, et je crois que c'est Malika Brico Créa, le nom de sa chaîne. Et pour finir, qui récidive une nouvelle fois, c'est ma petite Delphine avec deux jolis timbres. Delphine, tu en fais trop, hein, tu m'as déjà envoyé un courrier il n'y a pas si longtemps, c'est super gentil. Donc je continue, c'est parti. Je commence par la petite jeune fille, la petite fille de Mireille. Je suis super contente, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que des petites jeunes comme ça s'intéressent au scrap, fassent des activités ou s'intéressent à ce que font, comme le dit si bien Cécile, à leur maman ou à leur mamie. Moi, j'aime bien, hein, tout ce qui est partage comme ça, transmission. C'est génial parce que même de mon côté, mes parents m'ont transmis plein de choses et je m'y suis intéressée et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Hein. Alors, notamment l'aquarelle de mon père. Donc, Léane F qui vient de Warzage en Belgique. Donc, ma petite Léane, je vais ouvrir ton courrier et je n'ai pas cité le prénom de l'autre petite jeune fille, hein, donc la fille de Cécile P. Qui s'appelle donc Lana. Voilà, Lana, je te remercie énormément. Je n'ai pas pu te remercier la dernière fois en citant ton prénom parce que je ne savais pas si ta maman me donnait l'autorisation de prononcer ton prénom. Parce que sur YouTube, on n'a pas toujours le droit d'informer, de citer comme ça des prénoms des enfants. Voilà, je te donne la raison. Hein. Il me fallait l'autorisation quand même de ta maman. Voilà, donc merci Lana et merci Léane. Donc c'est parti, j'ouvre ton courrier Léane. Et je suis impatiente de savoir ce que tu m'as fait de joli. Alors, je découvre, donc toujours avec un joli timbre. Alors, qu'est-ce qu'elle a réalisé? Oh, comme c'est joli! Oh, c'est mignon, vacances! Ah, t'as une belle écriture! Un joli fond, des jolis die-cuts posés en 3D. Donc, elle a superposé, enfin là, elle a mis côte à côte des chutes de papier. Ah, c'est joli. Ça symbolise bien aussi les vacances. Là, tu as mis du washi. Trop mignon, ton petit papillon. Ah, c'est chouette. Trop, trop joli. Ça me touche vraiment. Hein. Tout ce qui vient des enfants, c'est super sympa. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, attention, j'ouvre. Oh, c'est Mimi, ton petit hortensia. Je vais vous montrer. Hein. Elle a dessiné un joli papillon. Oh, c'est vraiment chou. Hein. Des petites fleurs. Trop Mimi, ton petit soleil. Oh, c'est joli. Alors, oh, elle est belle, ton ATC. Oh, magnifique. Oh là là, vous êtes doué. Hein. Vous êtes, franchement, c'est prometteur tout ça. Hein. Donc, je vous montre déjà sa petite carte. Trop Mimi, hein, vous voyez, elle a mis en 3D hein, tous ces éléments là. Ah là 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 là, vous allez dépasser le maître. L'élève dépasse le maître hein, souvent. Hein. Elle est franchement, oh, j'ai hâte de voir un petit peu mieux. Je lis ton petit mot, c'est trop mignon. Oh, t'écris bien. Bonjour Sophie, je m'appelle Léane. J'ai 10 ans, donc elle a 10 ans, hein, et je suis la petite fille de Mireille. Et oui, chaque fois que je vais chez mamie,
Je regarde tes vidéos, oh, c'est trop mignon, de scrap. Et je les fais avec ma mamie, oh, c'est mimi. T'es trop mimi, c'est adorable. Ça me fait vraiment plaisir. Je t'ai fait une ATC pour ton concours d'été. Ah, bah tiens, tu es là. Tu vois, j'ai deux petites jeunes filles qui viennent participer à mon concours. Elle a 10 ans, Léane. Et tu vois, elle vient de Belgique. Elle m'a fait une jolie ATC. C'est trop bien. C'est trop chou. Ouais, et j'ai une autre petite puce qui s'appelle Lana. Ouais. La fille de Cécile. T'as vu ce qu'elle a fait comme c'est joli? C'est mignon. Oh, c'est beau, hein? Elle est douée, hein? Voilà. Voilà, je poursuis ton courrier. Donc, je t'ai fait une ATC pour ton concours d'été. Je n'ai pas de smartphone. Ça viendra. Tu es un peu jeune encore. Donc, je ne suis pas encore abonnée. Oh, mais ça va venir. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Oh, c'est mignon. Oui, j'espère que toi aussi, tu profites bien de tes petites vacances. Gros, gros bisous, Léane. Et j'ai ton adresse. Merci beaucoup. Je te renverrai. Évidemment, une jolie ATC. Oh, elle est chouette. La vie est belle. Donc, elle a superposé un sticker, un van. Il est trop chouette. Hein, avec, comme une partition de musique, hein, une guitare. Ça symbolise bien l'été. Hein. Toi aussi, tu es dans le thème. Hein, avec un petit appareil photo. Oh, c'est chou. Alors, le titre, c'est Camping. Et tu l'as réalisé le 22 juillet. Et c'est la numéro 2 sur 3. Regardez, si elle n'est pas douée, cette petite jeune fille-là. Oh, superbe. Magnifique, Léane. Franchement, tu es très douée, très douée, très douée, autant que ta petite mamie. Et je vous montre l'intérieur, son dessin, comme il est chouette. Il est adorable. Il est bien dessiné, ton papillon. Tu es douée, hein. C'est super joli. Bravo, Léane. Alors, j'ai une jolie enveloppe avec un effet déchiré sur le rabat, là. Super mini. Et qu'est-ce que tu m'as mis à l'intérieur? Oh, c'est joli. Des petites découpes. Oh, c'est mignon. Elle est belle, cette enveloppe, hein. Tu l'as achetée comme ça, mais elle est super sympa. Alors, oh, on a un joli arc-en-ciel, très très joli. Des petits cœurs qu'elle m'a découpés. Oh, c'est mignon ça. Franchement, ça me touche. Hein. Vous êtes vraiment trop mimi les filles là. Adorable. Ah, c'est chouette. Donc en rose, en mauve, hein. Des petits cœurs encore rose. Là, très joli également. Il brille, hein, il scintille. Un joli cœur vert, des petits cœurs, plein de petits cœurs. Eh ben dis donc, je les prends tes petits cœurs, tu me les envoies, je te les prends. C'est trop gentil, t'es adorable. Écoute, Léane, que dire? À part que, je me répète, hein, c'est très très gentil de ta part. Et évidemment, tu fais partie de mes petites participantes à mon petit concours là de l'été, et jamais j'aurais pensé que des petites jeunes filles s'intéressent à du scrapbooking comme ça à ma chaîne. Donc je suis vraiment contente, comme quoi c'est accessible à tout le monde. Alors maintenant je range, hein, et je te remercie et je te fais des gros bisous, des plein de gros bisous. Je t'envoie plein de cœurs moi aussi, tu sais, comme ça là. Ouf, ouf. Allez, plein de cœur. Alors maintenant, on va passer à ma petite Malika. Merci Malika. Regardez cette enveloppe aussi, comme elle est sympa, avec des cœurs, des ciseaux, de la couture. Parce que c'est vrai qu'elle fait beaucoup de couture. Hein. Elle fait du crochet. C'est une touche à tout, hein, Malika. Elle fait plein de choses. Et bah, je peux vous montrer l'arrière. Elle a même fabriqué son enveloppe rose, la Parme. Elle est super jolie. Non, Malika, franchement, allez voir sa chaîne.
Elle fait des choses magnifiques, hein. Elle fait de l'art du journal, elle customise des bobines, elle fait du scrap, elle fait plein de choses. Et là, récemment, elle a fait un haul qui est super chouette aussi, hein, avec de la dentelle, plein de choses. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous ferai un petit haul Cultura. Ce matin, en faisant mes courses, je me suis arrêtée chez Cultura. Et j'ai trouvé de la dentelle magnifique en rouleau. Un peu cher, je vous l'avoue. Mais j'ai craqué. j'ai craqué. Donc je l'ai prise. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo et qui sera assez courte également. Je vais faire au plus vite. Alors, Malika. Oulala, t'en as fait trop hein, parce que ton enveloppe était... bien chargée. Donc là, elle m'a mis ATC. Oh là là, oh comme c'est beau. Hop, je cherche ton petit mot. Ouh là là, tout ce que tu m'as mis. Oh là là, t'as fait... Ah ben, vous allez voir justement ce qu'elle fait. Comme c'est magnifique. Déjà, rien que sa carte. Bon, ben ça, tu sais où ça va aller, hein, dans mon junk. Couture, point de croix, crochet... Multi-loisirs créatifs. Oh, c'est chouette. Alors, je repositionne ta petite fleur, là. Parce qu'elle est très jolie, ta petite fleur. Ah, c'est beau, Malika. C'est super chouette. Tu m'as mis des petits boutons. J'en ai commandé des petites breloques comme ça. Un joli napperon que tu as dû sans doute faire. Tu as dû le réaliser, celui-ci. Hein. Je sais que tu es douée. Hein. Des stickers, donc un joli mannequin. Là. Une bobine. Un ruban de raffia ou je sais pas de satin, une petite breloque de boutons oui, et puis jolie fleur. Oh et on c'est chouette hein, regardez, un peu jolie sa carte sur une base violette hein, mauve, très chouette, ça déborde, tout ce que j'aime. Donc très chabi hein, très chabi. Oh, l'arrière, il est sympa aussi. Hein. Donc là, elle a superposé plusieurs dentelles. Alors, je les ai aussi, ces petites fleurs, là. Donc là, c'est l'arrière de sa carte. Très chouette. Très jolie. Magnifique. Superbe. Donc, je vais lire mon petit mot. Hop, je le mets de côté. Je vous montre l'intérieur de sa carte. Oh là là, tu m'as mis plein de rubans. Donc, elle a superposé plein de rubans. Un mètre à ruban également. Et puis là, tout sur le thème de la couture. Des jolis stickers. Ils sont beaux tes stickers. Hein. J'aime bien ces tons là aussi. Dans les tons de bleu, gris. Et puis ta petite dentelle là. Je vous montre l'intérieur. Hop. Voilà. C'est plutôt sympa, hein? Alors, ma petite Malika, je vais lire ton petit mot. Alors, coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est avec plaisir que je participe à ton concours de l'été. C'est mon premier ATC. Ah, bah alors, tu vois, j'ai l'honneur d'avoir le premier. Ça, c'est sympa, hein? Ce petit mot est à part de la carte que si tu en as envie... peut s'intégrer à ton junk couture. Évidemment, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, ça va intégrer mon junk couture. J'ai voulu représenter un rayon de dentelle et de ruban. Ah oui, bah ça, tu l'as bien représenté. Hein. Oh là là. C'est vrai que c'est super chouette. Je souhaite bonne chance à toutes tes abonnées qui me régalent à chaque vidéo. Oh, c'est mignon. Oh, t'es vraiment mignonne, Malika. C'est franchement une belle personne, Malika. Allez voir sa chaîne. Je te fais des gros bisous à toi, Lola, les petits bouts de choux. Oh, c'est mignon, tu penses à mes petits bouts de choux aussi. Tu penses à tout le monde. Belle personne. J'ai fait une vidéo de l'ATC. Ah, super. Eh bien, justement, on pourra aller voir tout ça. Alors, je découvre l'ATC. Alors, et c'est vrai que je dis souvent une ATC. Mais comme ATC veut dire artiste
Trender. Oh, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Mais ça doit être un ATC. Tu dois avoir raison. Ou alors les deux se disent peut-être. Oh, comme c'est. Oh, comme c'est mignon. Oh là là. C'est fin, c'est petit, c'est délicat. Oh là là. Ah, c'est joli. On a plein de petites die cuts positionnées en 3D, des stickers. C'est fin, cette jolie machine à coudre. Oh là là, c'est joli. Bon là, je ne vois pas clair. Il faudrait une loupe. Enfin, donc, il y a une petite étiquette et puis un morceau de mettre à ruban. Elle est adorable. Alors, ma petite Malika. D'accord, donc le thème couture. Ok, 1 sur 1. Donc toi, pendant tes vacances, tu fais de la couture. Hein, je pense que c'est ça, ma petite Malika. Hein? Alors, j'ai plein... Ah, d'accord, t'as découpé. Ok, je retrouve plein de petites choses. Oh, c'est mignon, c'est tout petit. Oh, oh là là, comment découper tout ça? Pour détourer, là, on s'amuse, hein. Oh là là, c'est chouette. Oh, ouais. D'accord, donc elle a repris, elle me donne ces petites étiquettes, là, qui lui a servi à créer son ATC sur un fond, je pense, aquarelle, hein, dans les tons de rose, hein. Je vous la remontre, mais je pense que c'est un fond aquarelle ou du papier, un peu marbré. N'hésite pas à me le dire. Je sais pas du tout. Mais je te remercie beaucoup. Ça va me servir tout ça. Oh, oh là là. Je vais faire des petits tags, des petites choses comme ça. Oh, mais c'est trop mimi. Oh, regardez ces deux petits tags là, comme ils sont mignons. Des petites bobines là, vous savez, pour le point de croix. J'en ai plein en blanc, des petites choses comme ça. Voilà. Oh, c'est mignon, c'est adorable. Et j'en ai un tout petit, tout rikiki. Trop mignon, adorable, c'est mimi tout ça. Oh, je te remercie beaucoup, c'est très gentil une nouvelle fois, hein. De toute façon, vous me gâtez toutes, c'est très sympa. Je dis toutes parce que je n'ai pas de garçon encore, hein. Elle est très belle ton ATC, magnifique, hein. Alors là, tu m'as mis plein de découpes sur la couture, hein. Oh oui. Je ne vais pas ouvrir, mais j'ai des ciseaux, des bobines, des aiguilles. Vous savez, comme Vivi m'avait envoyé, elle m'avait envoyé des boutons et tout, magnifique dans sa boîte, là. Oh, ça, c'était un vrai coup de cœur aussi, hein. Elle avait bien rempli sa petite boîte, hein. Oh, c'est chouette. Un dé à coudre. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Le mannequin, évidemment. Bon, je regarderai plus en détail, hors caméra. Alors, là... Je vais peut-être ouvrir. Oui, je peux, là. Les découpes, c'est tellement petit que je ne peux pas tout vous montrer, sinon je vais en perdre. Alors là, on a des napperons. Ah, oh, ils sont chouettes, ceux-là. Hein. Donc, sur du canvas, hein, elle a collé de la dentelle et elle a fait des découpes. Alors ça, c'est une super idée. Oh, ah ouais, tu vois, je n'y aurais pas pensé. C'est bien, vous me donnez plein d'idées, là. Tu me donnes des idées, ma petite Malika. Des napperons en papier. Ouais, c'est chouette, hein. Super, ça. Donc là, on a des petits ronds qui brillent, là, avec des petits pois. Oh, c'est chouette. Bon, ça aussi, je le glisserai, hein, dedans. Je vais tout mettre de côté. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, vous allez me le remplir, mon chunk. D'ailleurs, il commence à prendre tournure. Hein. Ça aussi, c'est super chouette. Hein. Des beaux napperons en dentelle. Ah, c'est joli. Hein. Je pense que tu achètes ça au rayon mariage, etc. Non ? Dis-moi tout. C'est super joli. J'adore. Super chouette. Alors ça, j'adore. Merci énormément. Et là, elle a fait des crayons. Mais c'est trop gentil. Je sais le temps que l'on met à faire ce genre de choses. Oh là là.
Parce que là, en ce moment, vous avez pu voir, j'en ai fait trois d'ailleurs. J'ai fait un short sur les carrés, les granits square, je sais pas. Des petits carrés là, il faudra que je vous montre tout ça d'ailleurs. Donc j'en ai fait trois. Donc je suis assez contente de moi parce que je veux faire des... Bah, attendez, je mets la pause et puis je vais les chercher. Donc tu m'excuses Malika, je fais une petite parenthèse dans un sachet évidemment de la pharmacie parce que c'est reparti avec les petits-enfants, tout ça, on retousse. Alors, donc j'en ai réalisé trois, j'ai pas encore rentré les fils. Hein. Pardonnez-moi de tout ce petit fouillis là. Et je vais vous montrer, mais je trouve que bah, je m'applique de mieux en mieux. Plus j'en fais, dites-moi tout ce que vous en pensez. Vous, les pros de la couture et du crochet. Donc, il y en a un dans les tons de rose pâle. Vous savez, c'est avec les petits cotons de chez Action, là, les petites bobines. Vous reconnaîtrez hein, ce genre de petites... voilà ce qui me reste. Je pense que vous voyez ce que c'est. Il doit y en avoir 8 à l'intérieur. Donc ça, c'était mon premier, qui est du coup un petit peu plus grand. Le deuxième que j'ai réalisé. Donc comme je vous disais, je n'ai pas encore rentré les fils. Hein. Et le troisième. Voilà. Et je suis assez contente. C'est pas mal. Pour un début, bon, c'est vrai que j'ai utilisé les cotons de chez Action. Et je vous montre avec une tasse. Alors, une petite tasse. Par exemple, et donc je vais en faire 8 au total. Donc vous voyez, je trouve ça plutôt sympa en sous-verre, en sous-tasse. J'avais envie de faire ça pour cet été, et puis ça fait pas de bruit pendant la sieste. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Je range tout. Voilà, c'était la petite aparté. Pour vous dire que je suis dans le crochet. Mais vous avez dû vous en rendre compte. Alors, je continue, ma petite Malika. Excuse-moi. Regardez si c'est pas joli, ça. Oh là là. Alors, elle a utilisé, vous savez, les ronds pour crocheter autour. Un petit rond. Alors, ça doit être un bouton. Ouais, t'as crocheté autour d'un bouton. Oh, elle est jolie, ta petite fleur. Alors ça, ça me fait plaisir aussi. Hein. Merci. Donc, vous voyez, au centre, il y a un petit bouton et elle a crocheté autour. Super chouette. Oh, c'est des belles choses que tu m'as faites là. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Ah, regardez un petit peu comme c'est joli. La finesse. Ah bah, c'est pas la même chose que les cotons de chez Action, ça c'est sûr. Très joli, un joli napperon, magnifique. Là, elle m'a accroché avec une petite épingle de la dentelle, hein, un petit ruban de dentelle. Et puis ça, dis donc, tes images crochetées là. Oh, ah, c'est chouette avec un cœur au milieu. Je les ai ceux-là. Je n'ai pas le die avec les trous pour crocheter autour, sinon je me serais bien lancée. Très joli, très très beau, magnifique, bon, c'est parfait, hein. Très très beau, là aussi, très joli, je vous montre, très très chouette, avec des dessins différents, donc là, ça fait comme des petits picots, bon après, je connais pas, hein. Là, ça doit être coquille, ça s'appelle, je crois, me souvenir. Hein. Voilà. Super joli. Bah écoute, ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. Tu connais, en ce moment que je suis dans le crochet, tu t'es dit, allez, je vais y envoyer du crochet un petit peu à Sophie, là, pour qu'elle s'inspire de tout ça. Et c'est vrai que je te remercie beaucoup, Malika. Énormément. D'ailleurs, je vais noter, je continue parce que... Donc, Léane, tu m'as fait un ou une ATC, bref. Je note.
Malika, pareil. ATC. Et tu vois, hein, Patricia, j'utilise ton stylo. Voilà, je continue. Alors, et merci encore pour tout. Voilà, et on finit par ma petite Delphine. Très jolie enveloppe avec deux beaux timbres. Donc, je vais découvrir. Donc, Delphine, tu viens... Oui, c'est vrai que tu n'es pas très loin de chez moi, tu viens du 37. Donc, c'est la Touraine, hein, le 37. Et Malika, tu viens d'où, Malika? Je crois du 62, il me semble, hein, que tu es dans le Nord. Allez, je coupe. Je continue. Ma petite Delphine. Coucou Sophie. On va finir par se connaître très bien, ma petite Delphine. Alors, tu changes? Mais il est où ton papier, Dide? Oh, mais c'est marrant, avec plein de petits enfants, là, qui font une petite farandole, qui s'amusent. Il est chouette aussi, ton papier à lettres, là. Hein. Alors, attends. Dès je cache... Oh là là, je vais m'amuser encore à chercher tout ça. Alors, coucou Sophie. J'espère que tu vas bien et que ton été se passe bien. Je t'envoie ma participation à ton concours. En ce moment, je fais beaucoup d'ATC. Oui, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'en ai fait plein. J'en ai réalisé... je les compterai, mais j'en ai réalisé pas mal. Je t'envoie également un kiss. Donc, moi aussi, il faut que je m'y mette au kiss. Je ne sais pas trop ce qu'il fallait mettre derrière. Bel été à tous. Oh, c'est mignon. Bah, écoute, tu mets des infos personnelles, hein. Et le numéro de ton kiss. Hein. Un été en couleur. Alors, je lis quelques infos. Ah, mais t'es plus jeune que moi aussi, ma petite Delphine. Alors, tu es du mois de janvier. Ok. C'est ton deuxième kiss. Hein. Le tout premier, c'est Sophie qui l'a reçu. Ah, mais c'est une autre Sophie, donc c'est pas de toi. Mes passions. Oh là là, t'as plein de passions, toi. Comme moi. Scrap, peinture, point de croix, etc. C'est super. Ouais. Ouais, moi aussi, je déteste a priori les mêmes choses que toi. Oh, ton chien, il s'appelle Snoopy, c'est trop mimi. Et en scrap, tu aimes tout. Alors, attention, je m'accroche. Ah, je l'ai trouvé, il est là. Un été en couleur. Ah, il est super chouette. Il te ressemble, Delphine, mais alors là, ton kiss, c'est tout à fait toi. Tu superposes des images de magazines. Tu recycles tout et c'est vrai que c'est sympa. Ton fond en couleur aussi, oh, génial. Des fleurs de toute matière, du bois, une jolie libellule. Ah, j'adore. Et puis cette petite coccinelle là, tu l'as cousue. Ah ouais, je pense que tu as fait... Ah, tu l'as cousue. Elle est magnifique. Ta petite étiquette, un été en couleur. Des petits diamond painting, là. Vous savez, les petits strass pour le diamond painting. Des fleurs, une fleur en bois. Ah, c'est joli, hein. Super chouette. Je vous montre son kiss. Et donc, j'ai trouvé le petit mot kiss qui est écrit en tout petit. Mais là, je l'ai vu. Je l'ai vu parce qu'il est en couleur. Il est ici, en orange. Vous voyez? Je l'ai vu. Merci. Merci de mettre de la couleur un petit peu parce que j'aurais rien vu. Ah là là. Merci beaucoup. Super kiss. Évidemment, je sais que les ATC... Oh, tu m'en as mis plein. Oh là là. Alors ça, c'est une idée aussi, vous voyez, de reprendre des petits sachets comme ça et les mettre en cascade. Ouais. Vous voyez, elle recycle tout. Hein. Ça, c'est super. Moi aussi, je garde, mais je garde uniquement les pochettes. Mais c'est vrai que autant les laisser accrocher... Récupérer les petites fleurs, les petits goodies, les petits machins qu'il y a à l'intérieur. Et puis, s'en servir. Alors, vintage.
un vieux, un gramophone, hein. Surprise, du papier à livre, une partition de musique, des petits strass, super joli. Alors, le thème musique, 5 sur 6, très joli, très très joli. Alors, c'est Yolel qui m'avait donné des petites choses comme ça à coller ATC. Ouais, c'est Artist Trading Card, ok. Mais card, c'est une carte, donc je pense qu'on peut dire une ATC également. Ok, il faudra que j'appose Yolel ce que tu m'avais donné. Alors là, oh, regardez, c'est en harmonie, hein. La même chose. Trop mimi avec sa petite coccinelle. Adorable. La petite libellule, tout. Et idem, elle a cousu, hein. Elle a cousu. Mais ça, c'est une super idée. J'aime beaucoup. Oh, je la reprendrai, ton idée. Trop chouette. Un été en couleur, 2 sur 6. Tu l'as réalisé le 12 juillet. Et puis celle-ci, le 14. Voilà. Super chouette. Et comme ça ne suffisait pas, elle m'en a fait d'autres. Ouh, la coquine. Alors. On ouvre de quel côté ? Ah, c'est chouette, douce pensée. Très jolie, superposition encore. Très chouette. Des bouquets de fleurs, des vases, donc fleurs. Donc le thème, c'est fleurs. Hein. Elle l'a réalisé le 25 juillet. Très jolie. Super chouette. Et elle aussi, j'aime beaucoup parce que le petit plus là qui me déplaît vraiment pas, ce que j'aime faire, vous voyez, poser un œillet, mettre un ruban, ça j'aime bien. Oh, les petits pompons là, trop mimi. Cette petite musicienne là avec son triangle, ah, c'est chouette. Hein. Donc là, elle a superposé des chutes de papier, des ronds, elle a fait un assemblage. Des petits strass et ces petits pompons en feutrine, son joli ruban d'organza. Super idée. Thème, les ronds. Les ronds, ouais, 3 sur 6. Voilà. C'est original, hein. Très joli. Très, très joli. Très très bien, et j'aime beaucoup ton œillet en forme d'étoile là, super chouette. Écoute, merci énormément ma petite Delphine, c'est très gentil, varié, tout en couleur, j'adore ton kiss. Vous êtes douée, très très douée. Il faut que je range la petite carte de Malika. Eh bien voilà, cette vidéo s'achève pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément les filles. Hein. Donc merci Delphine, une nouvelle fois. Je vais faire des jolies photos que vous puissiez admirer et vous inspirer de tout ce qu'ont réalisé les filles. Merci à Léane de Belgique, petite Léane. Du haut de tes 10 ans, tu as fait quelque chose de magnifique. Et Malika, bien évidemment, tout est super beau. De toute façon, vous me gâtez à chaque fois. Je suis ravie. Donc là, il va falloir que je note. Alors, ma petite Delphine, tu m'as réalisé donc 4 ATC, comme la dernière fois d'ailleurs, et un kiss tout en couleur, super chouette. Voilà, donc là maintenant il me reste à ouvrir l'enveloppe qui est très chouette aussi. Je vous la montre, mais ça va faire partie d'une autre vidéo de Yolel. Regardez si c'est pas joli tout ça, avec des jolis timbres. Et au dos, alors je cache l'essentiel. Voilà, c'est pas joli tout ça. On est vraiment à la mer, hein. Donc Yolel, et j'ai reçu un colis que vous allez admirer avec moi de Sylvia. Voilà.
Il me reste ces deux courriers-là à faire. Donc, on se retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort et merci encore.